Salut à tous, c'est Titeria Pour un nouveau tutoriel, cette fois sur un piège. Le Plus piège sérieusement. à Noyade, version 2. Voilà, comme l'a dit Arka, on va revisiter ce piège à noyade car l'ancien prenait beaucoup de place, c'était pas. Si, il était rentable, mais il n'était pas assez complexe et sophistiqué, parce que nous on n'aime pas ça. Contrairement à celui-là qu'on va vous proposer Donc, aujourd'hui. excuse-moi de te couper, je vais faire spawn Je t'en les zombies. Alors c'est de la sorcellerie, hein, bien sûr. Comme ça va plus vite, hein. Attention. Incantazione. Incantazione. Wouh! Oh punaise, t'en as pris combien là? Je sais pas, une trentaine, rien que ça. Je sais pas si mon ordinateur va tenir. Mais si. Alors on voit que les zombies viennent s'empiler dans une bande. Voilà. Petite bande d'eau ici. Et Et vous gueule comme voyez des. regardez bien, là vous voyez, il y a un truc d'air et une case en dessous. Donc, si ce serait pas con, ils auraient pu mettre leur tête dans la case. Leur case vide. Mais comme c'est des gros abrutis qui voient qu'il y a de l'eau sur leur tête, mais ils essayent de nager. Oh, je nage, je suis un zombie, je suis un abruti. Et comme des abrutis, j'arrête pas de le dire, franchement. Et comme des Abruti. abrutis, ils sont des abrutis, ces abrutis. Et bah, Ils se noient en comme fait. ce sont des abrutis, et bah ils essaient de monter, comme j'ai dit, et puis on les a bloqués avec du verre, et ils se noient, comme des Donc le abrutis. verre, ne pas utiliser, là c'est juste pour vous montrer, mais voyez la preuve, il y a des loots qui se bloquent à travers le verre. Donc ça, Voilà. sans verre, ça fonctionne. Voilà, si vous mettez, je sais pas, de la bouse, ou si vous pouvez mettre du verre, bah par exemple, au-dessus de leur tête, là, vous pouvez mettre du verre, mais tout ce qui est là où il y a, vous voyez, il y a un panneau, il n'y a rien écrit dessus, pas là où ça pique, mais là, le panneau qui est juste en face de Arcanios. Vendu, excuse-moi. Bon, non mais c'est un piège très efficace parce que aucun loot n'est perdu et puis il n'y a pas de enfin tous les mobs s'empilent, ils sont beaucoup dans la file et puis ils peuvent mourir, ils peuvent se faire tuer beaucoup à la fois. Bon, après là vous voyez qu'on a fait une bande de 5. Nous ne savons pas si on va plus si ça va plus loin. Ils arrivent à avoir de l'air, on n'a pas testé, mais là, une pile de 5, franchement c'est optimum. On n'en a pas besoin de plus parce que ça peut pas comme ça a popé tout à l'heure, un donjon. Et pour une Tour à mob. Tower Monster. C'est très bien, il n'y a aucun loot de perdu. Bon là il y en a, oui, parce que c'est l'hiver, mais vous mettez la stone, hein, ça c'est super. Ça fonctionne très bien. Donc, je vous propose d'aller voir comment on construit ce magnifique piège. Bonjour, bienvenue dans cette petite page de publicité pour nos laboratoires Titeian Arcanios Co. Vous pouvez voir des choses folles, deux scientifiques assoiffés de découvertes. Science. Tout à fait. Comme Voici s'ils notre voulaient premier croire. test sur la capacité de l'évolution du poulpe par rapport à son environnement. Voyez, nous testons son adaptation à un environnement inconnu. De Bon bah l'herbe. fin de la pub. Donc Tité, de quoi allons-nous avoir besoin pour créer ce magnifique piège à mort qui tue? Tadam! Et ben vraiment pas grand chose, il suffit juste d'un matériau pour faire une structure du piège. Donc comme là où vous pouvez voir, c'était du verre. On vous le conseille pas, comme vous l'avez vu dans la première partie, ça bloque des loots de temps en temps. Des pancartes, important, et de l'eau. Donc ces trois éléments vont suffire pour aménager un piège à noyade magnifiquement génial de la mort qui tue des monstres. Voilà, donc nous avons schématisé un donjon. Voilà. Donc c'est un schéma. Ouais. Hein. Une salle de jeu très très simple. Avec un cochon qui m'énerve. Oh Donc le cochon c'est optionnel, hein. C'est pas obligatoire. Et donc oui, Ensuite, un nous avons appart des. à zombies, voilà, comme ceci. Nous avons Donc ça. des blocs et un infini, tout à fait, oui, donc c'est une sorcellerie qu'un vieux chaman nous a appris dans la forêt. C'est-à-dire. Manger des aubergines, des fraises, des aubergines, hop, super pouvoir, et là on peut faire ce qu'on veut. Voilà. Donc là, on va mettre un mob spawn ici, on va imaginer, hein. Et on va creuser, on va le surélever, donc on va creuser de 1.
Donc non, c'est juste une commande bucket qui permet de faire slash give moins 1, c'est-à-dire donner à l'infini en fait. Très simple. Pour ceux qui me posaient la question. Et très très pratique. Donc voilà, je vais pas réussir à le dire, on surélève le spawner de mobs afin de placer en dessous des courants d'eau qui va permettre pardon, d'amener les mobs dans un petit canal que Arcanes va faire une joie de Un creuser. petit canal de 2 de profondeur, attention, c'est très important. Là, je le fais généreux. Ouais. Voilà, c'est pas obligé d'être si long, mais voilà. Et ensuite, on va placer des pancartes en face avec Titei pour pouvoir bloquer l'eau. Voilà. Comme ceci. Ensuite, on place des sources d'eau ici. Donc oui, ça aussi c'est de l'eau qui vient d'un vieux Des sortilège. fraises et de l'aubergine. Et donc on voit ici que l'eau est bloquée, qu'elle peut pas aller plus bas. Et ensuite derrière Titei, on va mettre. Arrête avec son berger nuit. On va mettre de l'eau derrière Titei. Pardon Titei. On va mettre de l'eau derrière toi. Excuse-moi. Voilà, ici. Pour faire le canal où les mobs vont aller se noyer avec cruauté. Donc, maintenant, nous allons juste à la sortie, donc C'est pas là où je forcément juste à la suis. sortie, mais bon, c'est pas loin quoi. Non, juste en sortie, on va creuser comme ceci. De 1 de Ensuite, profondeur en plus. voilà, une profondeur de plus. Ensuite, je reviens dans mon canal et je regarde au niveau de la tête du mob, donc sa tête, on va placer une petite pancarte comme ceci. Exactement. Voilà. Donc ensuite, Arca, ça nous joue à de mettre un cube là où l'eau se termine. Oui, c'est-à-dire ici. Allez, mettons cube de bouse. Voilà. Donc, Vous nous allons comme mettez ça placer une une autre pancarte. pancarte en face de la tête. Donc là, quand c'est au niveau de sa tête, ensuite là, en face de sa tête, une fois qu'il est descendu. Et ensuite, de la Voilà. magie, on va mettre. Alors, téléportation. Aubergine et fraise. On va mettre une source d'eau ici. Oh non, mais c'est dingue ça. Une source d'eau juste ici. Ouais, bah voilà, loupé parce que. Non, c'est bon. C'est bon. Une Voilà, source comme d'eau juste ceci. ici. Voilà. Exactement. Donc ensuite, on va placer un cube juste au-dessus de la source. Donc là, vous pouvez mettre du verre. Comme ça, vous pourrez voir, ça bloquera pas les loot normalement ici. Donc On va là, tester. jusqu'ici, voilà. Le piège là, il est mortel, mais les zombies viendront un par un. Donc vas-y, fais test. Aouh! Et il fait bobo. Donc, on va Voilà. aussi Ah, vous mettre un pouvez bloc tout de de verre suite ici, mettre. Voilà, pour pas c'est qu'ils ce que puissent j'allais monter. dire. Ça commence Comme à se connaître. ça leur facilite beaucoup. Salut. Comme ça leur facilite le trajet. Et ils sautent pas dans tous les sens. Et donc là, il va se mettre à se noyer, voilà. Donc le piège est fonctionnel, mais il va falloir faire la ligne pour pouvoir que plusieurs mobs s'empilent à la suite, et il va falloir faire un système de récupération de loot. Donc on commence par les La lignes de ligne côté. de noyade. Donc Donc on creuse 3 de profondeur. Donc on fait de 2 à côté, mais c'est pas obligatoire. Vous pouvez faire plus ou moins, ça dépend, mais 2 ça c'est raisonnable. un de 4 profondeurs, 4 excuse-moi, profondeurs, parce parce qu'on a fait on a replongé après. Donc on met des pancartes. ici et ici. Voilà, afin de bloquer l'eau. Et là, on va devoir s'arranger pour que l'eau aille des deux Donc côtés. alors là, pour que l'eau allez, des deux côtés. Donc là, vous regardez bien, vous avez mis les pancartes, que le schéma est bien fait. Et là, il suffit de remettre un bloc à la place de l'eau. Tac, ça coupe l'eau. Et on On remet remet l'eau un et puis truc. là, Et s'il y a de la voilà, magie, c'est magnifique. l'eau passe de côté et les mobs vont venir se disperser. Donc on met du verre, c'est pas obligatoire, c'est juste pour voir là, ça normalement ça bloquera pas les doutes, sauf si c'est pas en haut, mais bon. Mettez Donc. pour par sécurité des blocs de bouse ou de autres. Ça fonctionnera très bien comme ça, là c'est pour plus de clairvoyance. Donc là, vous pouvez voir qu'à l'intérieur, avec la petite case de profondeur supplémentaire, donc là on arrive à 4 cases de profondeur, ça permet de mettre un courant d'eau à l'intérieur du piège pour les dispatcher sur les côtés. Voilà. Donc cela va permettre de bien les répartir dans cette colonne de. Cette colonne, pardon, cette ligne de noyage. Donc là, c'est un piège efficace, hein. Efficace pour tuer. Donc maintenant, on va faire un système de récupération des loots. Titi, on s'attend en bas. Je t'invite à creuser un tout en bas là.
Voilà, oups. Voilà, un tout en bas. Maintenant, ressort. Attends, pas fini. Voilà, maintenant je ressors. Pour leur montrer. Magnifique. Ensuite, on va creuser les 4 de profondeur sur une ligne en laissant bien une case sur le côté. Comme ceci. Oh là! Un trou. Bon, je mets du verre. Trop creusé. C'est joli. Vas-y, mets du verre. Alors non, on a dit que c'était pas bien, mais pas du verre. Ouais, on va mettre du bois. Ok. Magnifique. Ne vous inquiétez pas. Les courants d'eau se mettent très facile de travailler. Voilà, avec. Comme ceci. Ensuite, on reva là-bas. Donc ensuite, on va faire une téléportation de la mort qui tue. Et ensuite, on va placer une source en d'eau. Dessous de la dernière pancarte, comme le fait Arcanios, une source d'eau, pareil de l'autre côté, ce que je viens de faire, pour et ce qui va permettre de se faire emporter. Voilà. Donc on va aller de l'autre côté. Ensuite, là les loots qui vont arriver là vont se faire bloquer. Donc là c'est très simple, hein. Vous mettez vos. Ah, pas possible ça. Donc on va creuser. Déjà le faire continuer un petit peu par là-bas. En espérant qu'on va pas tomber sur la mer. Vous creusez. Donc maintenant je vais vous dire comment regrouper tous ces trucs. Donc vous voyez là où je me trouve. Okay. Regarde-moi Arcanios. Oui. Vous allez creuser comme ceci. Et à 3. Alors vous comptez 1, 2, 3. Vous placez une source d'eau. On va même le faire à 2. Tant pis, à 3, c'est trop tard. Ah là, non, à 2, s'il te plaît. Bah. Attends. Parce que là, je suis en train de voilà. regarder, parce que c'est pas la même dimension. Et puis au final, non. Vous faites un truc comme ça, et puis ça fonctionnera, voilà. En fait, bon, c'est pour ceux vraiment les... Je vais faire tout parfait, vous creusez en fait un seul, et là, ça va faire un beau courant de la mort qui tue. Voilà, exactement. Donc là, c'est terminé. Vous avez juste à faire, donc là, vous pouvez reboucher là. Comme ici. Ceci. Et là, si vous voulez un truc droit. Ouais. Ah. C'est ça que c'est pas évident avec les courants, travailler avec. Tu peux remettre ta source d'eau? Ouais, mais enfin bref, on s'en fout. Comme ça, c'est bien aussi, hein. Bon après, ça à vous de voir selon la taille de votre piège. Ah, ouais, bah après, c'est de la manipulation de courant, c'est très simple à faire, c'est pas le sujet aujourd'hui. Donc voilà, vous avez un piège fonctionnel. Eh bah, pour tiens, la mer. Ça on va faire spawn quelques zombies. Donc là, vous avez un piège fonctionnel. Efficace et qui va pouvoir récupérer les loots. Donc là vous voyez que les mobs se dispatchent comme il faut s'ils le veulent bien, se dispatchent comme il faut sur les différents côtés et vont commencer à se noyer. Quand voilà, j'ai fait de la manipulation du courant. Ouais, je suis en train de refaire le courant. Voilà, on voit les plumes arriver. Donc là, elles vont être regroupées dans le canal du milieu et être emmenées ici, les plumes. Donc c'est très simple mais efficace, voyez. Donc vous avez votre... je sais que il va faire, il a pas besoin de beaucoup de ressources. Comment dire, de ressources, voilà. Il suffit de la terre, de l'eau. Et puis des pancartes. Donc c'est vraiment très 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 pratique. Il fonctionne très bien, il prend très peu de place. Bon, maintenant on est parti solo et multi, j'utilise que ça maintenant comme piège. Très peu de place. Et voilà, c'était la version 2 de notre piège à noyade. Merci d'avoir regardé ce tutoriel et puis à la prochaine et ciao ciao. Allez, ciao tout le monde.